Dans une conférence de presse ce mardi 1er février 2022, le préfet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, M. Serge Goutteron, a annoncé que de bonnes nouvelles à la population saint-martinoise. Plusieurs points ont été abordés, parmi lesquels la situation sanitaire de l'île, la préparation au carnaval 2022 à Saint-Martin, l'affaire des Rupsters et la conclusion d'un expert sur l'attaque du requin tigre survenue le 10 décembre 2020 sur une touriste à Saint-Martin. Bonne nouvelle, je pense que vous l'avez noté. La situation sanitaire et épidémiologique s'est très sensiblement améliorée sur nos deux îles du Nord. Je peux vous donner les dernières indications épidémiologiques et sanitaires qui sont rassurantes parce que notamment à l'hôpital la pression a considérablement baissé. À l'heure où je vous parle, il n'y a plus que 5 patients en suivi Covid léger entre guillemets, aucun patient n'est ventilé. Et pour ce qui concerne nos indicateurs relatifs à la diffusion de l'épidémie, aujourd'hui et sur les 7 jours glissants, pour Saint-Martin, le taux d'incidence était de 442 et le taux de positivité de 5,3%, et pour Saint-Barthélemy, de 837 pour le premier et de 9,3% pour le taux de positivité. Pardon. Je rappelle que nous étions en début d'année avec des taux qui frôlaient les 7000 et les 30%. Fort heureusement, compte tenu du fait que nous avons un nombre de personnes vaccinées important, plus important dans les îles du Nord qu'ailleurs dans les Antilles, et la population aussi est plus jeune, c'est un atout. La charge à l'hôpital, même si elle était forte, a été moins violente que lors des précédentes vagues. On peut s'en réjouir. Pour autant, la prudence s'impose, les règles de base de protection s'imposent, les règles d'hygiène de base s'imposent. Port du masque, hygiène des mains, c'est le principal vecteur du virus et des virus en général. Donc l'hygiène de tous les jours s'impose à tous, et a fortiori ici, dans ces zones subtropicales où il fait chaud, où l'humidité est présente, nous avons à être encore plus vigilants. En ce qui concerne l'organisation du carnaval en partie française de l'île, le préfet ne voit aucune opposition à son déroulement dans les conditions qui seront étudiées ultérieurement avec les organisateurs. L'autre bonne nouvelle, puisque j'ai été saisi par ailleurs, c'est que nous allons pouvoir, je le dis parce que c'est un temps fort, ici, avec les organisateurs, préparer le carnaval. J'attends qu'on y travaille en sérénité et de façon constructive. Aujourd'hui, rien ne s'oppose à ce que le carnaval se fasse dans des conditions que nous devons travailler ensemble. Voilà. C'est la bonne nouvelle aussi que je livrais aux habitants. C'est un temps fort, c'est important que nous ayons ce moment de détente, de joie et d'animation. Et c'est un temps aussi important pour les touristes. Ce sont des bonnes nouvelles. Sur l'attaque du requin tigre à Saint-Martin, le professeur Éric Luya, spécialiste du requin à l'école pratique des hautes études, a apporté ses conclusions sur cette attaque. J'espérais en tout cas le faire, mais ça a été le cas, de l'ADN du requin sur la victime. Chose qui ne se faisait jusqu'alors jamais. Et suite à cette morsure, vous le savez, qui date de décembre, Dans les jours qui ont suivi, exactement 30 jours après, il y a eu une nouvelle morsure à Nevis, sur une jeune étudiante de l'université vétérinaire de Nevis. Heureusement pour elle, elle s'en est sortie. Alors elle s'en est sortie pourquoi ? Parce que, contrairement à la nageuse, la malheureuse nageuse d'Oriente Bay, elle était accompagnée, ils étaient 6 en fait, ce qui a permis à des gens de l'aider rapidement. Elle-même s'est défendue, donc ça mérite d'être mentionné. Elle s'est défendue au point que le requin n'a eu le temps de mordre qu'une seule fois. Alors il a mordu une seule fois, de façon extrêmement, je dirais,
vulnérante, hein, puisqu'elle a quand même perdu la jambe, hein, dans cette affaire-là, mais ils ont réussi à lui faire, donc, on va dire, un garrot, ce qui lui a, quelque part, sauvé la vie. La gageure, à l'époque, c'était de récupérer, sur cette victime-là aussi, de nouveau de l'ADN. Et nous avons réussi à le faire. Nous avons réussi à le faire grâce à un collègue vétérinaire qui travaille ici à la préfecture, qui a mobilisé un réseau qui s'appelle CARIVET, hein, qui est le réseau des vétérinaires, et ça a été très efficace, puisque nous avons réussi à récupérer de l'ADN sur cette personne-là aussi. Par la suite, cet ADN nous a permis de faire une analyse qui a été conduite dans le laboratoire auquel j'appartiens, qui a deux antennes, une à Perpignan et une en Polynésie. Et donc sur Perpignan, nous avons réussi à faire une analyse sur cet ADN-là. On a dû s'y reprendre à deux fois. Pourquoi ? Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, et c'était d'ailleurs ce que me disaient mes collègues scientifiques, ils me disaient, mais tu cherches de l'ADN sur des victimes qui ont trempé dans l'eau, il y aura un lessivage, c'est impossible que tu trouves de l'ADN.